Voilà une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Ce jeudi 10 août 2023, Charline et Vivien ont annoncé leur rupture, après 5 années de vie commune, 3 mariages et la naissance de leur fille Victoire en 2021. Ils ont chacun partagé de tristes messages sur Instagram. On les pensait filer le parfait amour depuis leur rencontre fortuite dans Mariés au premier regard sur M6 en 2019. Malheureusement, le vent a tourné pour Charline et Vivien. Ce jeudi 10 août, le célèbre couple formé grâce à l'émission romantique de M6 a annoncé s'être séparé. Si est-il le cœur lourd et rempli d'émotions que je vous annonce aujourd'hui notre séparation. Après 5 ans de vie commune, de bonheur mais aussi de moments plus difficiles, nous avons en effet décidé avec Vivien de prendre des chemins différents. Les raisons nous appartiennent et j'espère que vous respecterez notre vie privée et notre choix. J'ai profondément besoin de me reconstruire aujourd'hui, a écrit Charline sur son compte Instagram, en légende d'une photo captée lors d'un de leurs 3 mariages. De son côté, Vivien a choisi de partager une superbe image en noir et blanc de leur fille Victoire, née en 2021, symbole ultime de leur amour. Comme le Titanic, notre couple n'est pas insubmersible. Chers amis et followers, si est-il avec le cœur lourd que Charline et moi avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Nous avons partagé de merveilleux moments ensemble, mais nous croyons qu'il est temps de suivre des chemins séparés et prendre le large. Je ne vis pas ces 5 dernières années comme un échec mais plutôt comme une réussite avec des voyages, des moments de joie et d'amour qui ont donné lieu à ce miracle de 2 ans et demi maintenant. Une page se tourne, il faut reconstruire différemment mais, soyez-en sûrs, nous resterons des parents attentionnés et notre priorité restera la famille pour le bonheur de notre poupée. Nous avons comme seul objectif, qu'elle garde son sourire et sa joie innocente qu'elle nous apporte chaque jour. Nous vous remercions pour votre soutien durant cette période difficile, a-t-il confié. Le choc pour les internautes forcément, la nouvelle a eu l'effet d'un choc pour les internautes qui les suivent. Et pour cause, au mois de juin dernier encore, Charline et Vivien semblaient encore former la parfaite petite famille lors de vacances en Italie. Au mois de juillet suivant, la belle blonde ouvrait même les portes de la maison qu'il venait d'acquérir, épurée et élégante comme il l'avait imaginé. Oh mais non non, je suis tellement triste, bon courage à vous 3, je ne m'attendais pas du tout à cette annonce, je suis triste pour vous, je n'aurais jamais cru. Vous étiez de loin mon couple préféré. Quel malheur, vous formiez un couple exemplaire, ont regretté leurs abonnés. Rappelons qu'après s'être unis devant les caméras de Mariés au premier regard en 2019, Charline et Vivien étaient repassés devant l'hôtel 2 ans plus tard. Et, en janvier 2022, ils avaient annoncé qu'un 3e mariage était en préparation, lequel a été célébré l'été suivant devant tous leurs proches. En avril 2023, ils étaient ravis de passer une nouvelle étape, celle d'aménager dans la maison toulousaine de leur rêve, après 2 années de construction.